J'ai prévu des passes de match complètement différents, surtout les premières 10 minutes. Et après 6 minutes, on était même 2-0. Bah, bien sûr, dans cet état, l'équipe, il a encaissé ça, psychologiquement. Je ne vais pas entrer dans le détail. On était dominé sur tous les plans. Et physiquement, et tactiquement, individuellement, collectivement, ce n'est pas la même chose. Le constat est un petit peu terrible. Il faut que tout le monde y conscient. Il nous reste un travail vraiment énorme, énorme, énorme. Peut-être, petite satisfaction, c'est la réaction de l'équipe à la deuxième mi-temps. À la mi-temps, je dis, les gars, aujourd'hui, on n'est pas prêt, pressé haut. Ni physiquement, ni tactiquement, on ne peut pas faire ça. Repli, attendez un petit peu ça. Mais ils ont fait nettement meilleur match, qui a créé peut-être quelques positions pour marquer. Mais le Football Club de Nantes peut se satisfaire avec ça. Et ça sera très, très compliqué. Physique, tactique, mental, technique, tout. Il faut dire la vérité, je ne vais pas entrer dans les petits détails, mais j'ai déjà, en travaillant cette semaine avec le groupe, à la télévision, tu peux voir certaines choses, mais pas tout. Et quand tu es dans le groupe, quand tu travailles exercice, tu vois beaucoup, beaucoup de choses. Tout le temps bien, tout le temps mal, et comme ça. Je suis un petit peu triste pour le Football Club Nantes qui se trouve à cette position. Mais c'est la réalité. Je connais ce challenge. Ce n'est pas la première fois. Vraisemblablement, si d'autres clubs me proposaient ça, je ne viendrais jamais. Mais pour le Football Club Nantes, je ne peux pas refuser en ce moment. On va voir quelques mois assez difficiles. On peut faire mieux. On va faire mieux. Quand il faut quelques mois, c'est tout. Ça c'est sûr, c'est ça. Qu'est-ce que je vis ce soir, ça m'a pas fait plaisir, mais c'est la réalité des choses. J'ai dit, on a programmé 10 minutes complètement différents, complètement différents. Vous avez vu le résultat derrière. Même l'équipe avec plus grande expérience et qualité, quand il prend deux buts comme ça, ça peut choquer. Pour ça, je dis, est-ce que ça peut être satisfaction, réaction, le groupe, l'équipe, deuxième mi-temps, il faut un petit peu souligner. Je ne peux pas le critiquer et tout ça, je savais au départ, ça sera extrêmement difficile.